Bonjour, aujourd'hui une recette à base de viande hachée, carottes, pommes de terre, oignons, cire, une cuillère de curry, du poivre, deux bouillons de poule et du beurre. Donc pour commencer ma recette, j'ai déjà mis de l'eau à chauffer. Une casserole pour la pomme de terre, une casserole pour les carottes que j'ai découpées en dés. Il y a deux carottes. Et le beurre que je vais rajouter un filet d'huile. Je commence par les pommes de terre. Je ne les sale pas. Le but, c'est de garder le croquant. Je rajoute un filet d'huile sur le beurre. Le feu, il est baissé, pas trop chaud. Voilà. Je prends les carottes, je les précuis aussi. Et je ne sale toujours pas. Donc, le beurre a fondu dans de l'huile. J'incorpore la viande. Et je laisse cuire tout doucement. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau. Je vérifie la pomme de terre. Il faudrait qu'elle reste croquante. Les carottes aussi. Je vérifie que la cuisson est celle que je souhaite et je les retire de l'eau. Je vais mettre de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Je fais pareil pour les carottes que je mets par-dessus les pommes de terre. Il n'y a plus du tout d'eau. J'ai mis une cuillerée de curry. Je vais rajouter l'oignon, laisser cuire un tout petit peu. Ensuite, je prends un wok qui est plus grand pour avoir de l'espace. Je rajoute un tout petit peu d'huile et je remets ma viande à cuire là-dedans avec l'oignon. J'avais mis un bouillon de poule dans la viande crue. Là, je vais rajouter le bouillon de poule qui reste et le poivre. Une fois que j'ai tout transvasé, je vais remettre du poivre. Voilà, j'ai tout. Et je mets du poivre et le bouillon de poule. Voilà, le poivre. Le bouillon de poule pour le restant. La cive, j'ai découpé un petit morceau, j'ai ciselé. Je mélange. Je mets maintenant les carottes et les pommes de terre à la viande qui a bien grillé. Pour cette recette, vous pouvez rajouter des petits pois ou alors des haricots rouges. Moi, j'ai préféré la cuisiner comme ça. C'est aussi parfait. Mélange. Vous voyez, la pomme de terre ne s'effrite pas parce que le but c'était de ne pas faire de la purée. Gardez les pommes de terre croquantes, les carottes aussi. Mélange, c'est prêt et je vais servir. Là, j'ai rajouté de la cive pour apporter un peu de couleur.
Ce plat, il n'y a pas besoin de prendre du riz avec, puisqu'il y a déjà de la pomme de terre. On pourrait peut-être manger avec un bout de pain, mais tout dépend de chacun. C'est pour les enfants. Un peu de cive pour la couleur. Ensuite, je vais goûter. La pomme de terre, elle est, vous voyez? Donc, likez et commentez. Les nouveaux de passage, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un commentaire. Le pouce si vous aimez. Merci, à bientôt.